Étant convaincu que la lecture est indispensable pour le développement d'une nation, nous avons donc initié une émission intitulée Mali Livre. Mali Livre est une émission qui donne l'opportunité aux écrivains de venir nous parler de leurs œuvres, bien sûr, sur notre plateau. Eh bien, pour Mali Livre, nous avons le rendez-vous avec l'auteur du livre intitulé Devoir de changement, qui fera d'ailleurs l'objet de notre discussion. Merci donc d'accueillir M. Modibo Ibrahima Kamfo. Modibo Ibrahima Kamfo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'équipe Model TV. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Kamfo, vous êtes écrivain né à Nioko, au Mali. Nioko, c'est d'ailleurs où au Mali d'abord? Bon, Nioko, c'est dans la zone de Nara. Nara? Oui, la zone de Nara, la zone des Soninké. Ah, ok. Vous continuez toujours vos études. Vous êtes à votre deuxième livre, mais votre livre « Devoir de changement » fera l'objet de notre discussion ce soir. D'accord. Avant de rentrer à l'intérieur de ce livre, M. Kamfo, oui. Qui parle de livre, parle de lecture, qui parle de lecture, aussi parle de l'écriture. Que représente donc l'écriture pour vous? D'accord, merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous remercier. Et merci à vous. De m'avoir invité. Sur votre plateau. Merci, le plaisir merci à l'équipe technique. L'écriture, qu'est-ce que l'écriture? C'est une question à la fois facile et difficile. Oui, oui. L'écriture, je dirais que d'une part, l'écriture, c'est d'abord une passion. Oui, oui, c'est une passion. Une passion comme le football. Oui, oui. Souvent, vous demandez à certains jeunes pourquoi vous voulez jouer au foot. Parce que je l'aime. Oui, oui, c'est effectivement ça. Ils ont des fractures à cause de ça, ils ont des difficultés à cause de ça, ils se blessent à cause de ça, mais ils veulent continuer de jouer quand même. Oui, oui, oui. L'écriture, c'est quelque chose comme ça. Vous écrivez, et souvent, même si vous ne gagnez rien, si c'est votre passion, vous continuez. Oui, oui, oui. Donc, c'est d'abord parce qu'on l'aime, c'est pourquoi on va vers la production. Ah, parce que c'est un travail tellement difficile. Souvent, ça demande des nuits blanches. Il faut de la passion pour que ça marche. Oui, oui. Ça, c'est d'une part. Oui, oui. Mais pour d'autres écrivains, l'écriture n'est pas forcément la passion. L'écriture, c'est un devoir. Et ils trouvent que je dois écrire sur telle et telle chose pour que les générations à venir soient au courant de telle et telle chose. Ah, ok. Alors, ces personnes ne sont pas obligées de voir l'écriture comme la passion. Ah, okay. Vous voyez, par exemple, quand vous dites l'écriture, c'est général. Même un historien, il écrit. Oui, oui, oui. L'historien, lui, il écrit pour témoigner les faits de son époque. Oui, oui, oui. Donc, pour lui, l'écrivain, l'écrit n'est pas forcément, ou encore l'écriture n'est pas forcément une passion. Ah, okay. Mais l'écriture devient une forme de témoignage. Ah, ok. Est-ce que vous voyez un devoir? Oui, oui. Écrire sur ce qui se passe, ce qui s'est passé ou sur ce qui est en train de se passer. Oui, oui, oui. Donc, je me limite à ces deux visions. Oui. Bien évidemment que chaque écrivain est libre de voir l'écriture dans sa manière de voir. Chacun peut essayer de représenter, de voir l'écriture dans une autre représentation personnelle. Ah, ok. Merci, merci, monsieur Modibo Ibrahima Kamfo, pour la réponse. À présent, nous allons continuer. J'espère qu'on va voyager vers le livre Devoir de changement. D'accord. Monsieur Ibrahima Kamfo, comment comprendre Devoir de changement? Devoir de changement. Oui, oui. Donner une manière de comprendre devoir de changement, oui, serait une manière d'obliger les lecteurs à voir comme je vois. Ah, ok. Mais je vais quand même essayer. Oui, oui. Alors, je vais essayer d'interpréter le livre un peu. Oui, oui. Et c'est à chacun de voir le livre dans sa manière. Oui, après. Et surtout après la lecture, tout ah, à fait. Okay. Donc, quand vous dites déjà « devoir de changement », oui, oui, le titre « changement », il y a déjà le mot « changement » qui vous frappe. Oui, oui, le changement. Donc, ça veut dire que le livre parle de changement. On demande même d'ailleurs, il s'agit de quel changement même souvent? Justement, il s'agit de quel changement? Oui, oui. Quand vous allez lire le livre, vous allez voir qu'il s'agit d'un changement multidimensionnel. Ah, ok. D'abord, un changement,
sur le plan social et sur le plan comportemental. Ah, ok. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ce livre, il y a... Le livre commence même par le thème du patriotisme. Ok, le patriotisme. Et pour parler de ce patriotisme, oui. Il y a une question qui peut se poser. Oui. Pourquoi les présidents comme Modibo Keïta, oui. qui n'ont pas fait des études de master, qui n'ont pas fait des études de licence, comme des, doctorat. Des études de doctorat, oui. à leur temps, le Mali était très connu. Le Mali était une puissance N'est-ce africaine. Pas. Pourquoi aujourd'hui, au moment où nous autres, nous avons nos masters, oui. nous avons nos doctorats, oui. nous avons nos licences, oui. c'est maintenant que le pays traîne à terre. Ah, ok. Est-ce que ce sont les études qui font avancer un pays? C'est une question qui se pose. Oui, c'est la question reste posée maintenant. Donc, quand on essaye de faire une analyse approfondie, oui. on se rend compte que au-delà des études, il faut aller vers le patriotisme. Il faut aimer sa patrie pour pouvoir développer. Ah, ok. Il faut aimer une chose pour pouvoir développer cette chose-là. Oui, oui, oui. Pour pouvoir faire avancer cette chose-là. Oui, oui. Donc, c'est pourquoi le livre même est commencé par le patriotisme. Changer le Mali. Oui, oui. Pour changer le Mali, il faut aller vers le patriotisme. Aussi longtemps qu'on ne va pas aimer notre pays, aussi longtemps qu'on pense que notre pays ne vaut rien, oui, oui. notre pays ne va pas avancer. Ah, okay. Donc, voyons. Ça, c'est déjà un changement sur le plan social. Oui, oui, il faut que le plan pays change. Oui, oui. Ouais. Oui, oui. Mais de voir le changement, vous allez voir, il y a un texte qui s'intitule « Pour changer notre État doit changer ». Déjà, il y a un jeu d'homonyme. Pour changer oui, notre le, État, le, jeu de, oui, oui. le premier État, c'est avec grand E. Oui, oui. C'est-à-dire pour changer notre nation. Non, la nation même en question. Tout à fait. Ah, maintenant, okay. le deuxième État, c'est avec petit E. Oui, oui. C'est-à-dire pour changer, notre comportement. Pour changer notre État, oui, oui. pour changer notre nation, oui, oui. notre comportement doit changer. Ah, ok, nous voyons. Ça, nous c'est voyons. Une nécessité de changement comportemental. Ah, ok. Mais quand vous allez lire le livre, vous allez aussi trouver qu'il y a beaucoup de néologismes, de nouveaux mots inventés. Oui, oui. Comme gros bonnétitude, oui, oui. comme camphonienne, oui, oui. comme camphonien, oui, oui. comme germanisation, oui, oui. comme coup vide d'État, etc. Ah, okay. Et là aussi, c'est un changement stylistique. Ah, ok. Hein? Mais est-ce que vous pouvez un peu expliquer ces mots-là, le camphonien, camphonienne, oui. gelmanais et autres-là? Tout à fait. Quand vous prenez le mot gelmanais oui, oui. ou germanisation, oui, oui. d'abord, ça, y a le mot, la racine qui est gelman. Ah, okay, vous n'êtes pas sans savoir que le Gelman, c'est un mouvement de jeunes écrivains, oui, oui. les jeunes esprits de la littérature malienne, dont je suis l'actuel président. Ah, donc, okay. en abrégé, Gelman. Ah, maintenant, okay. quelqu'un qui est un membre du Gelman est appelé un Gelmanais. Ah, okay. Maintenant, la Gelmanisation, le fait de donner le caractère de Gelman à quelque chose. Ah, okay. Donc, un caractère d'écriture à quelque chose. Mais c'est des expressions purement inventées par vous-même. Purement inventées par moi-même. Vous allez trouver plus d'une dizaine de néologismes dans le livre intitulé « Devoir le changement ». C'est aussi un changement. Ah, ok. La langue française, c'est vrai, l'Académie française oui, est oui. libre oui, de oui. dire que tel mot n'est pas accepté. Oui, oui. L'écrivain est un inventeur. Ah, oui, oui, c'est un inventeur. L'écrivain est un créateur. Quand oui. vous prenez même le mot « poésie », ça vient du grec, oui, oui. d'un mot grec qui signifie « créer ». Donc, nous inventons, nous créons. Même si l'académie valide certains mots, on n'est pas obligé de suivre l'académie dans ses pas. Ah, ok. Dans nos livres, nous sommes libres de créer. Ah, ok. Est-ce que vous voyez oui, oui. Donc, quand vous prenez camphonienne et camphonien, oui. c'est deux formes de poèmes. Oui, c'est deux formes de poèmes. C'est deux formes de poèmes. Mm-hmm. D'abord, quand vous essayez de vous intéresser aux formes de poèmes, vous allez voir que à l'époque, les formes de poèmes les plus connues, il y a le sonnet, oui, oui, le sonnet. La balade, oui, oui, oui. le rondo, le lait, le virelet, oui, oui. Le pantoume, oui, oui. etc. Ce sont ces formes de poèmes qui ont réellement existé. Oui, oui. Et malheureusement, on ne voit pas une forme spéciale en Afrique. Oui, oui. Alors que l'Afrique est la base. Avant que la poésie ne soit écrite, il y avait d'abord la poésie orale. Et la poésie orale africaine, on ne sait même pas quand est-ce que c'est commencé. Oui, oui, effectivement. Mais avec l'influence de l'écriture dans la poésie africaine, on ne remarque pas assez de formes de poèmes. Ah, okay. Moi, dans mes recherches, je n'ai pas remarqué assez de formes de poèmes dans cette littérature écrite-là. Ah, okay. Je me suis dit, est-ce que je ne pourrais pas inventer ? Je vais encore vers l'invention. Est-ce que je ne peux pas inventer des formes de poèmes quand je vais devenir écrivain ? Ah, okay. C'est en ce sens-là que je suis venu. J'ai inventé une forme de poème. Je voulais lui donner un nom. Ah, ok.
Ok, donc quand je voulais donner un nom, j'ai pas pu trouver facilement un nom. J'ai dit, bon, pourquoi ne faut pas, je ne veux pas modifier mon nom et ajouter un suffixe un suffixe. Pour pouvoir avoir un nom. Ah. Donc, il y a déjà Kanfo existe, qui existe. Qu'est-ce que je peux ajouter à Kanfo? J'ai ajouté Nien. C'est pourquoi nous voyons Kanfo, le préfixe Kanfo et le suffixe Nien. Voilà, la radicale c'est Kanfo. Et le sens même du la racine même du mot c'est voilà c'est Kanfo. Oui. Et il y a Nien qui s'est ajouté. Ah ok, nous voyons. Donc vous voyez et quand j'ai pris cette forme là vous allez voir que cette forme c'est dans chaque poème de cette forme vous allez voir que nous avons des strophes de 8 vers. Jusqu'à ce qu'on arrive à 96 vers. En ce moment j'ajoute un quatrain, c'est-à-dire une strophe de 4 vers pour le compléter à 100. À 100. Voilà. Ah, okay. Maintenant, j'ai montré ça, avant de valider cette forme, j'ai montré ça à certains amis. Oui. Et j'avais un ami, c'est le lieu pour moi de le remercier, Souleymane Diallo. Souleymane Diallo. Mon éternel complice. Ah, ok. Lui, quand il a vu la forme de poème, il a dit que cette forme est magnifique. Mais, dans cette forme, chaque fois qu'il y a des huitains, tu as 4 vers qui constituent le couplet et 4 vers qui constituent le refrain. Il dit, si tu continues avec cette forme, il y aura trop de répétitions. De répétitions. Voilà. Moi, je te propose de voir autrement. Ce que tu peux faire, c'est de, au lieu de 8 vers, il faut aller vers 12 vers. C'est-à-dire, au lieu de 8 ans, il faut aller vers des 12 ans. Des 12 ans. Oui. Et dans ces 12 ans, tu vas prendre un refrain de 4 vers et les 8 autres vers seront des couplets. Ah, ok, nous voyons. Maintenant, il dit, moi, je pense que cela serait encore mieux. Je dis, d'accord, je prends ta proposition en compte, mais je vais baptiser ça autrement. Cette nouvelle forme, je vais l'appeler Kanfo Nien. C'est vraiment extraordinaire de votre part. Le Kanfo Nien vient de la Kanfonienne. Ah, ok, nous voyons vraiment votre talent de création. Hein. Donc, les deux formes de poèmes sont tous des poèmes de 100 vers, 100 vers. C'est seulement la disposition qui se différencie. Ah, dans la Kanfonienne, ce sont des huitains. Dans le Kanfonien, ce sont des douzains. Ah, ok, nous voyons. Voilà. Ah, ok, nous voyons. Il faut suivre vraiment il faut suivre les actualités des écrivains et autres sur Model TV. Nous avons aussi des talents ici. Nous pouvons faire nos créations avec, de la manière dont Kanfo vient de démontrer. Monsieur Kanfo, on va toujours continuer avec les questions. D'accord. À travers ces recueils, quel message donnez-vous à votre public lecteur, bien sûr? Bon, le message principal, je pense que c'est le changement. Hein. Le changement, Le changement, surtout sur le plan comportemental. Oui. Ok? Oui. En fait, si ce changement ne se réalise pas, cette fameuse histoire de Malikoura qui est en cours ne va pas avoir lieu. Il faut d'abord qu'on change de comportement. Il faut d'abord qu'on change de comportement comme le Mali vient de prendre le nom Malikoura. Voilà, si on ne change pas de comportement, Malikoura sera égal à Malikoro. N'est-ce pas? Oui, ça c'est très clair. Si on ne change pas de comportement, la corruption va continuer. Si on ne change pas de comportement, l'injustice va continuer. Effectivement. Si on ne change pas de comportement, l'abus du pouvoir va continuer. Oui. Si on ne change pas de comportement, tout va continuer. Et nous resterons toujours dans les Malikoro. Ah, ok, nous voyons. Ce ne sont pas des propos qui nous mènent dans Malikoura. Ah, ok. C'est le changement comportemental. Ah. Prenons l'exemple dans la famille. Oui, dans la famille. L'éducation est bâclée. À l'époque, l'enfant de la famille était l'enfant de tout le monde. Effectivement. On te frappe dehors. Effectivement. Quand tu ne peux pas revenir à la maison pour te plaindre. C'était ça l'Afrique traditionnelle. Mais aujourd'hui, quand on te frappe dehors, tu rentres dans la famille, ta maman sort avec toi. Qui t'a frappé? Sans pourtant demander, qu'est-ce que tu as fait? Ah, ok, nous voyons. Vous voyez que ça, c'est très grave. C'est très grave. On voit ça même dans les écoles. Quand l'enfant se plaint pour aller à la maison, généralement, il y a certains parents, au lieu de chercher à savoir ce qui s'est passé, eux, ils écoutent plutôt les enfants et ils accusent directement l'enseignant. L'enseignant n'est pas fou pour s'attaquer spécialement à ton enfant, personnellement à ton enfant pour rien. Pour rien, c'est pas possible.
il faut que ça change. Il faut que ça change. Maintenant, vous allez voir que même dans la famille où on doit apprendre à l'enfant à aimer sa nation, c'est dans la famille qu'on le transforme en fait. Ah, okay. On prend du thé devant nos enfants et nos petits frères en disant hey, « Hé, Mali Konya, Mali Tekefoui, tu penses qu'il ne capte pas ?» Il capte. Il entend ce que tu dis, il croit en ce que tu dis. Ouais, avant d'aller à l'école, l'enfant croit le plus à ses parents. Tout ce que ses parents disent, il pense que ça, c'est vrai. C'est une vérité absolue. Ouais, ouais, c'est ouais. Le moment de préparer l'enfant. Mais c'est, okay. C'est en ce moment que nous, on forme les enfants sur le mauvais chemin. Même quand tu dis à ton enfant te dit, achète-moi du bonbon, tu dis, il n'y a pas de souci, demain je t'apporte. Demain, tu ne l'as pas apporté, il te rappelle encore. Après, demain, je t'apporte, tu ne l'apportes pas. Tu es en train de préparer l'enfant à devenir menteur. Ah, nous voyons. Oui, oui, parce que lui aussi, il va essayer de jouer le même jeu avec ses camarades quand il va sortir. Ah, okay, il va dire à un de ses camarades, oui, je vais te donner ça. Non, demain, je vais te donner. Il a vu ça à son père. Okay. Il est devenu menteur à cause de son père. Ok. Ouais, des choses comme ça. Okay. Il faut que ça change. Il faut qu'on arrive à montrer aux enfants que notre pays est le meilleur. Il ne s'agit pas d'aller vers une sorte d'extrémisme, mais de montrer, de toujours de montrer à l'enfant que là où tu es là, ça c'est ce qui est bon. C'est chez toi. Ça c'est bon. C'est ce qui est bon. Oui. Et c'est toi qui dois le faire changer. S'il y a des défauts, s'il y a des problèmes, c'est toi qui dois faire changer. Ah, ok. Donc le message, il faut ce changement. Il faut ce changement comportemental pour qu'on ait tout ce qu'on veut. Ah, ok. Si on ne change pas sur ce plan, on est voué à l'échec. Ah, ok. Ça, et puis, c'est sur tous les plans. Hein. C'est sur tous les plans. C'est sur tous les plans. Il faut qu'on change de comportement. C'est ça avant tout. Changement de comportement, ça avant tout. Ah, ok. Nous voyons. Maintenant, ce recueil de poèmes est un assemblage de 15 poèmes. Parmi ces 15 poèmes, est-ce qu'il y a-t-il des poèmes tirés du fait réel, c'est-à-dire la fiction ou bien le réel? Si oui, vous allez essayer de nous montrer des exemples du fait réel qui vous a inspiré à écrire le poème là-même. D'accord. Pratiquement, dans tous mes poèmes, généralement, soit je fais recours à la fiction, soit je fais recours à la réalité. Ah, okay. Quand vous allez voir dans mon premier livre là-bas, c'est d'ailleurs équilibré. On a 16 poèmes inspirés de faits réels et 16 poèmes inspirés de faits imaginaires. Alors, quand vous allez prendre Devoir de changement, il y a évidemment des poèmes qui sont inspirés de faits réels et des poèmes qui sont inspirés de faits imaginaires. Je vous donne un exemple de poème qui est inspiré de faits réels. C'est le poème qui s'intitule, dans le livre, ça occupe la deuxième position, c'est le poème qui s'intitule Quand la terre me mangera. Quand la terre me mangera. Oui. En fait, quand vous allez lire ce poème, vous allez voir que c'est vrai que l'auteur dit quand la terre lui mangera. Mais vous allez voir que on a l'impression que l'auteur se met à la place d'une autre personne qui parle. Et c'est exact. Le poème est dédié à un de mes amis, Tcherno Adisidibé, que j'ai connu quand j'étais encore plus jeune. À l'époque, on était ensemble au club des lecteurs du Mali. Depuis les années 2014-2015. Et dans le temps, nous étions seulement les deux écrivains, les deux jeunes poètes. Nous voyons. Alors, lui, il avait une grande facilité de déclamer ses textes devant le public. Mais moi, j'avais peur de parler. Devant le public. Quand je prends le micro, je tremble. Même quand je ne prends pas le micro, quand je vois le public, je tremble. Donc, lui, il me disait, pourtant, tu écris des très bons poèmes. Le jour où tu auras la chance, le jour où tu auras le courage de prendre la parole devant le public, mais tu seras tellement lancé. C'est lui qui me disait ça. Et un jour, je me souviens comme hier, c'est lui qui m'a dit, bon, tu vas écrire un poème, tu viendras déclamer ce poème le samedi prochain. Si tu ne fais pas ça, c'est fini entre nous. Je dis, quand je vais parler devant le public, je vais mourir. Je dis que je vais mourir carrément. Il a dit, tu ne vas pas mourir, tu vas faire ça, sinon c'est fini entre nous. Et j'ai écrit un très bon poème, je suis venu. J'ai eu peur de déclamer, j'ai dit, bon, écoute, j'ai écrit le poème, toi, il faut le déclamer. Il dit, je ne déclame pas. Tu ne déclames pas ce poème aujourd'hui, c'est fini. Donc il a insisté. Il a insisté, il m'a menacé et j'ai lu le poème. Mais tu ne peux pas imaginer combien j'ai été applaudi. Oui, tellement c'était intéressant.
Ah, ok. Et c'est face à ces applaudissements que j'ai su que le poème, c'était très intéressant. Et en 2016, j'ai réécrit ce poème. Oui. Je l'ai postulé au concours de poésie organisé par le Club Lettres. Oui. Sur plus d'une vingtaine de candidats, le poème est sorti premier. Félicitations à vous, alors. Merci. Donc, vous voyez que quelqu'un qui était tellement proche de moi à ce point, oui, qui voulait tellement ma réussite, oui, oui, qui était tellement complice avec moi, on, oui, faisait tout ensemble, oui, on écrivait, on se montrait nos textes, oui, oui, et on se disait que dans les jours à venir, on va passer sur les plateaux télé, dans les jours à venir, on va voyager ensemble, on va présenter nos livres dans les écoles. Oui, oui. Il est décédé brusquement. Brusquement. Et c'est triste. Avant même la sortie de mon premier livre. Oui, oui. Donc, mais le livre était déjà à l'édition. Donc, je ne pouvais plus porter de modifications sur ce qui était parti. Oui, oui. Dans le deuxième livre, j'ai dit que je vais écrire un poème pour mon ami, ah, pour, okay, lui rendre hommage. Ah, okay. Et dans ce poème, vous allez voir même des choses qu'on faisait ensemble. Ah, okay. Donc, ça, c'est inspiré d'un fait réel. Ah, okay. C'est une réalité qui est là-dedans. Nous vous présentons nos sincères condoléances. Merci beaucoup, mon cher. Que la terre lui soit légère. Merci que beaucoup. Que l'âme de votre ami se repose en paix. Merci beaucoup. Ah, okay. Donc, par ailleurs, il y a aussi des poèmes qui sont basés sur l'imagination. Oui, oui. Et quand vous allez prendre des poèmes comme Tu comprendras. Tu comprendras, oui, oui, le titre. Voilà, c'est imaginaire. Parce que déjà, ce qui est dit là-dedans se passe dans le futur. Oui, oui. Tu comprendras un jour quand tu vas devenir ceci. Tu, oui, comprendras un jour quand tu vas devenir... Oui, donc, oui, c'est carrément imaginaire. Ah, il, y a, okay, il y a d'autres poèmes qui sont là-dedans qui sont carrément imaginaires. Par exemple, le poème intitulé Séparation. Séparation. Mmh. Mmh. Là aussi, je me mets à la place de beaucoup de personnes pour essayer de faire ressortir beaucoup d'images de la séparation. Ah, okay. Tantôt, je me mets à la place des migrants. Tantôt, je me mets à la place d'un étudiant qui doit aller à l'étranger pour étudier. Ah, okay. Tantôt, je me mets à la place d'un amant qui vient d'être séparé par, voilà, par sa copine et tout. Ah, okay. Donc, pour essayer de faire ressortir les multiples formes de séparation. Tantôt, oui, je me mets à la place ou encore je mets en scène l'image d'une mère qui perd son enfant. Donc, tout ça, ce sont des formes de séparation qui, ah, sont possibles dans la société. C'est inspiré des faits de la société, mais les exemples qui sont pris dans le texte sont purement imaginaires. Ah, ok. Voilà. Ah, ok. Donc, monsieur. Oui. Aujourd'hui, nous voyons que plusieurs jeunes Maliens veulent écrire. Mm-hmm. Il y a des gens, leur rêve, c'est de devenir des écrivains, mm-hmm, mais d'autres manquent d'inspiration ou d'autres même ont peur. Mm-hmm. Quel message donnez-vous ou bien quel mot d'encouragement donnez-vous à ces gens-là? Vous savez, oui, que ce ne sont pas seulement des encouragements, oui, qui peuvent permettre à tous ces jeunes de devenir des écrivains. Ah, ok. Quand je parle d'encouragement ici, il s'agit seulement des encouragements verbaux. Dire vraiment courage, courage, courage. Oui. On entend ça partout au Mali. Oui, oui, courage, courage, courage. C'est comme si tu dois faire ton bac tout à l'heure, oui, oui, et que tout le monde se met à te dire, bon, courage, courage, courage. Oui. Et que tu n'as eu personne pour t'aider à acheter les livres qu'il faut pour, oui, préparer l'examen. Oui, oui. Tu n'as eu personne pour t'aider à faire les photocopies qu'il te faut durant l'année. Oui, oui. Et tout le monde te dit courage, courage. Ok. Ce serait difficile que ça marche. Ce serait difficile vraiment. C'est la même chose pour l'écriture. Vous savez, l'écriture, ça demande beaucoup d'efforts. De cette même manière, ça doit être accompagné. Ok. L'écriture est un secteur qui est abandonné d'une manière dans notre communauté. Okay. C'est abandonné. Le livre n'a pas assez de valeur dans cette société. Dans la société malienne. Oui. Le livre n'a pas assez de valeur. Ok. Tu peux même trouver des gens dans ta propre famille, tu veux devenir écrivain, qui te disent tiens, ça ne t'apporte pas grand-chose, il faut laisser ça, va faire des choses sérieuses. Donc, le domaine est minimisé ici. Minimisé. Maintenant, qu'est-ce que l'État peut faire pour ces jeunes qui veulent devenir des écrivains, pour ces jeunes qui veulent écrire mais qui n'arrivent pas à produire, pour ces jeunes qui veulent produire mais qui manquent de moyens? Oui. L'État doit les encourager. Oui, effectivement. L'État doit les encourager. L'État doit les accompagner. L'État doit les accompagner, ah, okay, à travers des concours. Ah, okay. Il faut organiser des concours. Ah, okay. Hein? Chaque année, il faut organiser plusieurs concours et motiver les jeunes à venir à postuler. Ah, okay. Hein? Okay. Et quand ces jeunes postulent, on peut prendre les meilleurs textes, les meilleurs manuscrits, on les publie. Ça encourage, oui ou non?
Oui, c'est encourageant. Mais est-ce que vous savez que quand vous partez voir souvent les éditions, oui. même quand vous avez déjà produit, vous découragez. Souvent, vous partez voir des éditions parce qu'en fait, c'est l'argent. C'est l'argent qui... C'est le final, là, c'est l'argent. Final, tu as écrit, l'argent. Tout est bon, voilà, mais pour faire sortir le livre, l'argent, il faut l'argent. La clé du monde, l'argent. C'est ça. Maintenant, à l'époque, c'était encore pire. Maintenant, ça va un peu. À l'époque, tu partais voir un éditeur au Mali, ici, on te dit, le point de départ, c'est 500 000. Il y a certains qui te disaient 1 million. Il y a certains qui te disent même 2 millions. Un étudiant comme toi, hein, qui ne cherche que son frais de déplacement, comment il va avoir 1 million pour aller mettre ça dans un livre? Ça sera difficile. Ce sera difficile. Ce sera difficile. Mais s'il y avait des concours pour l'accompagner, il pouvait être auteur. Avant d'ailleurs ces concours, l'État doit encourager déjà ces multiples associations littéraires, des clubs de lecture et de jeunes écrivains qui sont déjà ici, qui sont en train de faire le travail. Ouais, effectivement. L'État doit les encourager, on doit les aider à former les jeunes. Ces formations passent par des sciences de lecture, par des sciences d'atelier d'écriture. Si c'était financé, on pouvait le faire un peu partout. On peut le faire à tout moment. Effectivement. Hein? Je pense que tu as eu la chance de prendre part à des ateliers d'écriture. Tu vois qu'on produit. À la fin de la séance, tu verras que oui, il y avait un talent qui dormait en toi. Mais si ce n'est pas encore accompagné, on ne peut pas s'en sortir. C'est accompagné, on peut s'en sortir. Il faut avoir une forte passion au Mali, une forte passion pour l'écriture, pour pouvoir arriver jusqu'à la publication. Sinon, il y a beaucoup qui veulent écrire. On les encourage, mais l'encouragement verbal là ne suffit pas. Il faut les encourager. Je pense que c'est un moyen pour moi de lancer un appel à l'État. De donner plus de valeur au secteur du livre, d'encourager tous les regroupements qui sont là pour valoriser le livre, la lecture et l'écriture d'une manière générale. À partir de ce moment, ces gens qui veulent devenir des écrivains peuvent réaliser leurs rêves. Au-delà de cela, ce que je peux dire à ces gens, quand on veut devenir écrivain, surtout un célèbre écrivain, prends le temps d'écrire et de réécrire ton texte. Tu écris, tu réécris, tu écris, tu réécris, tu écris, tu réécris. C'est là où ça va être intéressant. Mais si vous ne réécrivez pas votre texte, vous allez voir que ce ne serait pas intéressant en fait. Peut-être que vous n'allez même pas avoir des prix. Quand vous allez prendre « Ce n'est jamais fini » de Fatmata Keita, tome 1, elle a plus de 25 versions. Fatmata Keita. Oui, elle a plus de 25 versions. Je lisais un livre de Jean Dormesson. Jean Dormesson, il dit que chaque page que vous lisez dans mon livre a été réécrite au moins 10 fois. 10 fois au moins. Oui, au moins 10 fois. Hein? Moi, devoir de changement, je ne connais pas le nombre de fois que je l'ai réécrit. C'est pourquoi maintenant, quand je dois déclamer des textes, souvent c'est un problème parce que en déclamant, si je ne regarde pas, tu trouves que c'est l'ancienne version. C'est une ancienne version que je déclame. Parce que ça a été écrit, réécrit, écrit, réécrit, écrit, réécrit. Même quand vous prenez « Quand la terre me mangera », c'est un texte qui a été réécrit, 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 réécrit. Vous allez voir, il y a une version, une ancienne version qui est disponible sur Google. Cette ancienne version est différente de la version qui se trouve dans le livre. Et c'est à travers cette réécriture que vous pouvez faire, vous pouvez aller loin. C'est à travers cette réécriture que vous pouvez avoir des prix. Durant des siècles et des siècles, vous serez étudié. Si aujourd'hui, on étudie encore Sophocle dans nos universités, qui a existé 400 ans avant Jésus-Christ, donc de son époque à maintenant, ça fait au moins 2400 ans. C'est parce qu'il a écrit des livres intéressants. Mais si vous n'écrivez pas des livres intéressants, si vous vous précipitez pour faire sortir vos livres, ça va mal se tourner. Ça veut dire que vous serez le premier à regretter. Vous risquerez d'être un écrivain qui va lutter pour cacher son livre. Parce que souvent, ça peut arriver. Ça peut arriver, ça peut arriver. Donc, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous proposons encore de donner quelques leçons encore aux jeunes qui ambitionnent d'écrire. Au-delà de tout cela, j'encourage à aller vers l'écriture. Il faut surtout beaucoup lire. Il y a les grands auteurs sont généralement des grands lecteurs également. Et lecture et la lecture et l'écriture ne peuvent pas être dissociées. Chaque personne qui est appelée à écrire
doit forcément lire. Ça veut dire qui parle de lecture parle aussi d'écriture. D'écriture, oui. Qui parle de lecture parle d'écriture. Oui. Donc, il faut évidemment beaucoup lire, beaucoup lire ses textes. Oui, oui. Et beaucoup lire les textes des autres et pour pouvoir écrire. Okay. Voilà. Et quel est votre dernier mot à l'endroit de nos chers téléspectateurs du Model TV? Bon, surtout des mots de remerciement. Oui, oui. D'avoir suivi l'émission. Oui, oui. Des mots de remerciement pour vous aussi, pour l'intérêt que vous accordiez au livre. Oui, des mots de remerciement à tous les personnels de la chaîne télévisée Model TV. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Et bonne lecture du Devoir du changement et retrouvons-nous très vite sur Model TV avec un autre écrivain. Merci.